Alors tout le monde se pose la question, est-ce que Poutine est malade? À mon avis, ça fait aucun doute. Arrivé à 70 ans, en 3-4 mois, n'échappera pas à un bon cancer de la prostate, comme bon nombre. En réalité, à 70 ans, c'est le grand tournant, en ce qui concerne la prostate tout au moins. D'ailleurs, la fois où les gens ont mentionné qu'il se tenait au bord de son bureau, sans aucun doute, à mon avis, il sortait de l'opération. On lui a bien gratté la prostate, et voire peut-être même que le chirurgien avec son bistouri a eu tellement peur de faire mal qu'il en a flanqué un coup dans le testicule droit. Et Vladimir Ier avait du mal à s'en remettre. D'ailleurs, il se tenait bien à la table. Et si on regarde bien, il avait un petit rictus sur le visage qui trahissait la douleur. Eh oui, 70 ans, c'est l'âge critique, c'est le grand tournant. À partir de 70 ans, les années comptent double. Eh oui, donc Vladimir Ier est malade. C'est certain.